Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de trouver un trésor en utilisant une carte de Drake. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cartes au trésor de Nathan Drake de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors bien entendu, il n'y a pas tous les emplacements possibles des cartes de Drake et bien entendu, tous les emplacements ne sont pas obligatoires. Donc si vous allez à un emplacement, s'il n'y a pas de carte de Nathan Drake, ben c'est totalement normal parce que c'est aléatoire. C'est possible que la carte y soit, mais c'est possible qu'elle n'y soit pas. Là, c'est tout simplement une carte que j'ai créée où j'ai répertorié tous les emplacements de cartes que j'ai déjà vus. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi facilement, c'est tout simplement d'aller chercher des gants de Spider-Man pour vous déplacer plus rapidement dans l'île de Fortnite entre tous les points que je vous ai présentés pour visiter la map le plus rapidement possible et trouver une carte au trésor le plus rapidement possible. Donc pour vous aider à trouver des gants de Spider-Man, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man. Donc quand vous aurez trouvé une carte au trésor, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous en équiper dans votre inventaire. Ensuite, quand vous allez sur votre inventaire, sur la carte au trésor, là, il y aura des pointillés qui vous indiqueront l'emplacement du trésor de Drake. Et il y aura même une grande lumière qui indiquera l'emplacement du coffre trésor pour voir un peu sur la distance. Donc ce que vous devrez faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là. Et quand vous êtes à cet emplacement-là, vous allez devoir piocher le sol là où il y a le X pour déterrer le trésor de Drake. Et comme ça, ben, vous pourrez ouvrir le coffre, obtenir son contenu. Comme ça, vous aurez terminé le défi parce que vous n'avez juste qu'à trouver un seul trésor pour terminer le défi. Donc quand ce sera fait, ben voilà, vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.